Jérôme Bratschmann est un virtuose de la guitare manouche, disciple de Simon Lustigmann. Le musicien de 33 ans a fait ses gammes dans des duos de guitare. Il nous a donné rendez-vous aux portes du Théâtre des Amants pour nous présenter le Quatuor Hanuman en cette dernière représentation du Hof à Avignon. Je dois faire un bilan de ces deux semaines parce qu'on a commencé le 14. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était vraiment une réussite, c'était génial. On a rempli plusieurs fois le théâtre et puis on a eu du monde tous les soirs, dès le premier soir. Et voilà, c'est vraiment un challenge qu'on a réussi à surmonter tous ensemble parce que vraiment tout le monde a donné le meilleur de lui-même, de soi. Et j'espère qu'on sera là l'année prochaine, voilà. C'est le conservatoire d'Aubervilliers, la Courneuve, où j'ai rencontré Sandra et où Jérôme a été aussi. Et des professeurs qui nous ont beaucoup apporté. Et c'est important de le dire parce que c'est un endroit qui est en train de disparaître tranquillement par faute de moyens. Donc voilà. Et donc on s'est rencontrés comme ça, moi et Sandra. Et je sais pas pourquoi eux sont là en fait. Hein. Mais qui est-ce ? Oui, c'est à travers les musiciens que vous avez rencontrés, qu'on a rencontrés aussi, ils nous ont mis en lien. J'avais déjà joué avec Sandra il y a quelques années pour toute autre chose. Et du coup, elle m'a proposé de me joindre au groupe pour ce projet-là. Merci Sandra, parce que c'était vraiment formidable.
quand on a la chance de recroiser des gens qu'on a aimé écouter, aimé entendre, aimé, avec lesquels on a déjà aimé jouer aussi. Et là, c'était l'aventure d'Avignon. 15 jours tous ensemble, jouer tous les soirs, 15 fois le même programme. Et en même temps, le réinventer tous les soirs, sentir des énergies différentes tous les soirs, 16 fois effectivement. Des énergies créatives tous les soirs différentes, grâce à la musique de Django, mais aussi grâce à la musique de chacun. Ça, c'est vraiment une expérience géniale. Et en plus, bon, c'est crevant, Avignon, c'est monstrueux. Hein, c'est... on est vidé de toute énergie, et en même temps, la musique nous maintient. Ça, c'est génial. En tout cas, on va revenir ici, c'est sûr, à Avignon. L'année prochaine, je pense qu'on sera là. Mm-hmm. Avec les mêmes. Avec les mêmes. Les mêmes, Carlos, même succès, tout. Les mêmes groupes. Ouais, ouais, bah plus de succès encore. Ouais, même. Je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés. Adèle, Anne, Odile qui nous a hébergés aussi. Ah oui. Le Théâtre des Amants, Eddie et Nicole. Christophe, ici, du café, Christophe, où vous êtes ici. Voilà, Judicaël pour l'assistance régie et les lumières. Et voilà, on voudrait remercier tous les gens qui nous ont soutenus parce que ça a été très très important pour nous. Il y en a eu beaucoup. Et il y en a eu beaucoup, voilà.